Coucou les petits loups, aujourd'hui je viens pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter la Beautiful Box du mois d'avril. Alors j'étais tellement surexcitée de l'ouvrir que du coup, je l'ai ouverte sans vous. Mais je vous promets, c'est juste des produits encore vraiment génialissimes. Honnêtement, il n'y a pas de cosmétiques ce mois-ci, mais on retrouve vraiment notre compte. Vraiment, les produits sont super, toujours aussi bio, ils sont trop bons. Alors quand on ouvre la boîte, on a toujours le petit carton qui nous explique un peu le thème de la boîte. Donc, vous voyez, elle est toute colorée, toute jolie, toute symétrique, géométrique. Oui, bon, voilà. Vous aurez compris, elle est super canon. Les couleurs encore du printemps, voilà, toute colorée, toute jolie. Et elle nous présente tous les produits que nous avons dans la box. Un plus 2, une routine beauté. Un plus 3, une grande histoire d'amour. 2 plus 3, un visage rayonnant. Et des Beautiful produits. Donc, vous aurez compris, ce mois-ci, le thème de la box, c'est une routine 100% visage. Pour un visage, zéro défaut. Hashtag zéro défaut, hashtag parfait. Trois petits points, parfait. Avec un gros smiley. Que voici. Je vois que vous ne me voyez pas très très bien. Je vais essayer d'arranger ça. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, ensuite, quand on ouvre la box et qu'on a passé le petit cartonnet, la box se présente comme ceci. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Avec tout plein de petits confettis qu'à chaque fois, moi j'en fous partout à la maison. Et donc, on découvre toujours le set de petites cartes à jouer. Je pense qu'à la finale, on aura les 52 cartes. Donc, moi, je trouve ça super amusant. Vraiment, très amusant. Donc, on commence avec la première carte et le premier produit. Avec toutes les explications d'où vient le produit, d'où vient la marque aussi, d'où provient-elle. Enfin, voilà, un peu son historique et tout. Donc, du coup, on commence par le gel nettoyant gentille au gel Olution. Que voici. Que voilà. Alors, ça nous dit ce gel. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et je ne vois rien du tout, tellement que c'est écrit petit. Ah, ils disent qu'il y a 15% de promise sur le site, sur son e-shop avec le code BeautifulOlution. Voilà, jusqu'au 30 juin 2018. Commandez vite sur olution.com. Et donc, du coup, c'est aux 18 extraits de plantes comme le raisin d'ours, le ginkgo, bilota et la réglisse, ainsi que 7 huiles essentielles comme le citron, la lavande et le yin-yang. Donc voilà, c'est un gel nettoyant pour le visage avec tout plein d'huiles essentielles et de plein de bonnes choses, quoi. Et puis, ça sent super bon. Je l'ai senti tout à l'heure. Vraiment, ça sent super bon. Donc, ce petit gel nettoyant est plutôt pour la routine du matin. Sur une peau humidifiée, appliquez le gel par massage
circulaire, comme d'habitude, hein, en évitant bien évidemment le contour des yeux. Et en insistant sur le front, les ailes du nez et le menton. En fait, le T, quoi. Parce que souvent, en plus du T, c'est vrai qu'on s'attarde un peu plus sur les pommettes. Donc, c'est un produit qui, en magasin, coûte 17 euros. Je l'essayerai et je vous en redirai un peu plus sur ce que j'y pensais, sur ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai un peu plus aimé et tout et tout. Donc, je vous redirai tout ça. Et en tout cas, vraiment, ah ouais, ils sont vraiment super bons. Des petites odeurs vraiment très agréables pour, quand on se lève le matin, quand on a un peu la tête dans le coltard, on va dire poliment, n'est-ce pas? Donc, ensuite, deuxième carte. Nous passons à la lotion tonique rosée des Hespérides. C'est la marque Propolia. Du mot propolis, parce que cette lotion est aussi à base de miel, d'où la petite abeille sur la bouteille. Donc, c'est une lotion à utiliser le matin pour tonifier le visage. Rosée d'Hespérides Propolia au léger parfum de blé, de thé vert, élimine en douceur les impuretés résiduelles comme le calcaire présent dans l'eau, tout en apportant à votre peau les actifs naturels nécessaires à son hydratation et à son éclat idéal pour parfaire le nettoyage de votre peau. Elle adoucit, revitalise votre peau. Donc, petit plus, n'hésitez pas à prêter votre lotion à votre moitié, car ce produit est également un excellent après-rasage. Ah bah, c'est bon à savoir. Messieurs, vous pouvez nous piquer ce produit. Voilà, c'est aussi pour vous. C'est un produit qui, en magasin, est à 15,90 €. Bien évidemment, de tout ce qui est dans la boîte, c'est un full size. Il fait 200 millilitres. Donc moi, je trouve ça commence très très fort dans cette box. Vraiment très très fort. Moi, j'aime beaucoup tous les produits pour la peau, le visage et tout. C'est vrai que j'utilise pas trop de gommage pour le corps et tout ce qui est produit cosmétique pour le corps. Mais c'est vrai que mon visage, il est vrai que j'y prends vraiment. J'y prends du temps. Voilà, ma routine du matin et du soir pour le visage, pour moi, est vraiment très importante. Ensuite, nous passons à un. Ah, c'est trop rigolo. C'est le spray à selfie planteur tropical de chez FG Cosmétique. Alors, c'est une petite brume qui est comme ça, un petit vaporisateur. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir ce qui est écrit dessus. Voilà. Hop. C'est aussi un full size. Alors, c'est trop rigolo que je reçois ça aujourd'hui dans la box. Parce qu'hier, je suis allée faire du shopping. Et je suis allée à Kiko et je me suis offert la brume de la gamme Green qu'ils ont commencé à faire à Kiko 100% bio, 100% full size. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je cherchais. 100% bio, non testé sur les animaux. Et même les packagings sont faits pour l'environnement. Donc, c'est vraiment génial. Et je vous promets, certains produits. Je me suis pris le bronzer et un pinceau. Ils sont juste géniaux. Vraiment, je vous la conseille, la gamme là. Mais je vous promets, je vous ferai une petite vidéo de ce que je me suis acheté à Kiko dans la gamme Green. Donc, on revient à notre petite
une petite spray à selfie. Voilà, je ne m'y fais pas, hein. Je ne m'y fais pas. Alors, à utiliser encore une fois le matin, je crois que c'est vraiment la routine du visage du matin. C'est essentiellement le matin. Le matin, avant d'utiliser vos objets connectés. D'où le spray à selfie. Et ce que j'avais vu d'ailleurs sur le petit carton, c'était assez rigolo. Il y a un petit truc, un petit concours, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, vous. Tout en bas du petit carton, il y a écrit « Faites un selfie avec votre box, entre parenthèses, sans oublier votre spray, bien sûr, et postez-le sur Instagram avec le hashtag #LaParefaite. » Moi, je vais le faire. Honnêtement, je vais le faire pour voir pour le fun. Ouais, franchement, je vais le faire. Donc, ils disent « Prenez en main le flacon. » Fermez les yeux. Bien évidemment, on ne va pas se mettre la brume dans les yeux, hein. Ça paraît logique, mais bon. Tendez le bras et exercez une pression sur le spray en direction de votre visage. Un fin film se dépose et est absorbé rapidement par la peau. Donc, en général, quand on tend le bras, souvent, hein, ils disent d'asperger à 30 cm du visage par précaution. Et je vous promets, elles sont trop, trop bonnes. Je l'ai mise un peu tout à l'heure, là, au poignet, pour sentir. Et elle est super agréable. C'est marrant parce qu'on entend, on sent vraiment bien on sent vraiment bien le miel. Donc, c'est l'étape 3 de la routine du matin. Voilà. Ensuite, toujours un soin pour le visage, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est. Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix du spray aussi. Excusez-moi. Le prix du spray. Le prix du spray en magasin est quand même à 29,90 €. Donc, rien qu'avec le spray, et ben on rentabilise la box. Rien qu'avec ce petit spray-là, qui est quand même à 29,90 €. Sachant que la box en vaut autant avec un seul produit, on a payé la box. Franchement, si c'est pas génial. Ensuite, prochain produit, c'est une eau micellaire Algorescence. De chez Algo Vital. Donc, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, toutes ces marques-là, vraiment, je ne les connais pas. Donc, ah, là, c'est pour la routine du soir. C'est pour la routine du soir. Versez quelques gouttes de soin sur un coton. Passez-le sur l'ensemble du visage et du cou. Oui. Ne jamais oublier le cou, hein. Même dans le maquillage, les gommages, les masques, il est très important de ne pas oublier le cou. Ça, on le dit tout le temps, mais on ne le dira jamais assez. C'est vrai. L'essentiel du visage et du cou pour enlever le maquillage et ses impuretés. Rincer à l'eau claire. Donc, du coup, c'est une eau micellaire qui est à rincer à l'eau claire. Et c'est l'étape 4 de la routine du visage. Un visage démaquillé et nettoyé pour une peau nourrie avant d'aller dormir. Ensuite, passer à l'étape 5. Donc, la dernière étape et le dernier produit de la box. Cette petite eau micellaire coûte 5,90 €. Et honnêtement, si elle fonctionne, c'est un produit que je me rachèterai parce que je trouve personnellement qu'il est très compliqué de trouver un démaquillant qui enlève toutes les impuretés. Moi, je sais que j'ai toujours un peu de résidu de fond de teint ou du crayon à chaque fois. Il me reste vraiment
une petite un voile de maquillage sur le visage. J'arrive jamais à trouver une eau, un démaquillant qui m'enlève correctement tout mon maquillage. C'est quelque chose qui, pour moi, est très agaçant. Là, j'ai encore essayé. C'est un démaquillant 3 en 1 de chez Vichy. Et j'en suis pas encore méga, méga satisfaite. J'étais encore obligée d'utiliser je ne sais combien de coton avant d'avoir une peau vraiment approximativement propre. Ensuite, nous passons au dernier produit. C'est la crème visage à l'eau de Provence. À l'eau pure de Provence, pardon. Elle s'appelle la Sainte Victoire. Franchement, moi j'adore. Franchement, moi j'adore. Le nom de la. Le nom du produit, j'aime beaucoup vraiment. Donc, du coup, c'est pour la routine du soir. Donc, au total, on aura bien compris, on a trois routines du matin et deux routines du soir. Parce que nous avons donc cinq produits, un full size, dans la Beautiful Box. Conseil d'utilisation. Sur une peau propre et démaquillée, bah tiens, on en parlait. Démaquillée à l'eau micellaire. Donc la carte carreau numéro 4. Donc celle-ci, vous savez. Appliquer une noix de crème sur le visage et le cou. Donc c'est une crème de nuit. Appliquer une noix de crème sur le visage et le cou. C'est une crème de nuit. Il est recommandé en usage. Crème de nuit, vous savez juste 4 fois que je le dis, rafraîchissante et apaisante. Elle conviendra très bien également en crème de jour. Moi, personnellement, j'aime bien avoir ma petite crème de jour, ma petite crème de nuit et de faire la différence entre les deux. Voilà, après, chacun son truc, chacun ses préférences, mais pour ma part, honnêtement, c'est ce que je préfère. Et vous voyez, pendant que je suis en train de discuter avec vous, enfin, pour vous parler, je suis en train de toucher le bouchon. Et honnêtement, j'adore le packaging. On sent vraiment que le packaging, il est de très très bonne qualité. On voit que c'est une bonne marque. Ils se foutent pas de nous, hein, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment pas. Et à tel point que je viens juste de voir ça, je n'avais pas vu avant. Comme quoi, c'est des super bons produits. La crème à elle seule fait quand même 22,90 euros les 50 millilitres. Donc honnêtement, on a largement payé notre box. Hein. Largement, largement, largement. Donc si j'arrondis à 23. Et 6, 30, 29, non, 23 et 6. Ah, voilà ma petite bounty. 29 euros. 29 euros plus 30, ouais, on va arrondir à 30 euros. 29, 60, 90, donc on va arrondir à 30 euros. Ça nous fait quand même 69 euros. 69 euros plus 16, 69, 79, 79, 80. Oh là là, et moi le calcul mental, et moi ça fait vraiment 2, hein. 69, 89, 95. 95,
plus 17 euros. 17 euros, donc 95, 105, 105, 112 euros. Donc on en a pour 112 euros de produits dans cette Beautiful Box. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle Beautiful Box du mois d'avril. Pour ma part, j'adore les produits qui sont dedans. Je vais les tester là-bas ce soir. Je pense que je vais faire ma petite routine du soir. Demain matin, je ferai la petite routine du matin avec les trois produits. Et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé, le négatif, le positif, des petits conseils peut-être que je donnerai. Voilà, que si petit conseil à vous donner. Voilà, de mon expérience sur l'utilisation de la Beautiful Box du mois d'avril. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sera un petit peu mieux que les précédentes. Mais encore une fois, excusez-moi, je suis toute novice. J'essaye au fil du temps de vous faire des vidéos plus propres, plus agréables à écouter et à regarder. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vision de la vidéo. Et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et merci à vous qui venez vous abonner à ma chaîne. Gros gros bisous, à très très vite.